à tous et bienvenue sur la chaîne du Temps Libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau livre. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une lecture que j'ai lue. Je crois que c'était pendant mes vacances du mois d'avril. Hein. Et j'ai du retard. Ouais. Je vais vous parler de Les Petites Reines. Vous voyez, il est flashy. Les Petites Reines, pardon, de Clémentine Beauvais chez Sarbacane. Livre qui trône dans ma pâle depuis... Bah, je crois sa sortie en fait. Et en même temps, j'ai tellement entendu parler de Clémentine Beauvais que... voilà. Au début, j'avais très envie de la découvrir et après... c'est pas que j'avais plus envie, mais c'est que je ne savais plus trop à quoi m'attendre. Je savais pas si j'allais aimer ou passer à côté. Parce que c'est vrai que depuis ce livre-là, elle a fait pas mal de trucs. Et il y a un moment où elle circulait vraiment partout, quasiment. Donc j'étais un peu sur la... J'étais un peu réticente. À la découvrir et au final bah, j'ai bien fait parce que j'ai quand même bien aimé. C'est pas un coup de cœur. Ouais. L'histoire est belle, j'ai pas un coup de cœur pour son style parce que il y a 2-3 trucs qui m'ont dérangé. Donc dans ce livre on va suivre nos 3 boudins, les 3 boudins qui s'appellent Mireille, Akima et Astrid. Donc il y a le boudin d'or qui est du coup Astrid cette année, boudin d'argent c'est Mireille et Akima la boudin de bronze. Qu'est-ce que c'est que les boudins? Eh bien c'est un concours organisé par un mec qui se croit malin, hein, de leur collège. Là on est au collège, c'est des jeunes demoiselles qui ont 15 ans je crois et Akima en a 2 de moins, il me semble qu'elle en a 13, quelque chose comme ça. Mireille... En général, c'est la boudin d'or. Cette année, il y a Astrid qui lui est passée devant. Elle comprend pas, elle est choquée. C'est pas forcément très gentil, hein, de faire le concours de boudin. Mais Mireille, elle prend les choses à la légère. Elle a une certaine distance par rapport à tout ça. Au fond, au début, ça l'a tellement blessée que maintenant, elle en rigole, elle plaisante. Et au final, elle dit « Quoi ? Mais c'est pas moi le boudin d'or ?» Voyez, un peu outrée, choquée, voilà. Donc oui, elle a cette distance par rapport à ça, et au final, elle devient un peu cynique. Ouais, pour moi, elle est très cynique, et très au début, elle est très désagréable. Il faut savoir qu'elle parle très mal à sa maman. Moi, j'avais envie de la taper. J'avais envie de foutre des paffes. Parler comme ça, ça se fait pas. Et en fait, sa mère, pareil, elle laissait tout passer, et voilà. Donc il y a des choses au début qui m'ont dérangée. Donc après, il faut savoir que les 3 filles ne se connaissent pas, à la base. Elles vont se découvrir parce que Mireille va vouloir connaître Astrid, qui lui a piqué sa place. Et après, elle va vouloir connaître aussi Akima, pour finalement s'allier, voilà, être un peu plus forte. Il faut savoir que si Mireille elle prend les choses très à la légère maintenant, c'est pas du tout le cas de Akima et de Mireille, de Astrid pardon, qui du coup sont très affectées par ça. Donc j'ai aimé qu'on traite ce sujet, qu'on traite ce qu'un ado peut ressentir au collège quand on lui fait comprendre que pour les autres il est moche, voilà, qu'il est jugé comme moche. De là être un boudin. Donc il faut savoir que c'est pas forcément parce qu'elles sont toujours rondes. Je crois que Mireille est ronde. Mais pas forcément, juste en fait, ouais, elles sont pas très jolies, elles sont pas bien fichues. Et voilà, il y a ce jugement dès l'adolescence. Donc le sujet abordé est très intéressant. Mais ce qui m'a dérangée, c'était ouais, le comportement de Mireille au début. J'avais envie de la taper, hein. Vraiment, je me suis retenue. Donc, dès les premiers chapitres, je me suis dit, oh, mais sérieux, c'est ça que tout le monde a aimé. J'arrivais pas à rentrer dedans. Et à partir du moment où elle va faire la connaissance de Astrid et de Akima, il y a ce lien qui se crée entre elles, parce qu'au final, elles vont devenir copines. Elles vont aussi, je ne sais plus trop comment, se rendre compte qu'elles ont un objectif, elles vont vouloir aller à Paris. Donc il faut savoir qu'elles habitent à Bourg-en-Bresse. Oui, moi je dis Bourg-en-Bresse, je suis désolée. Apparemment ça se dit pas comme ça.
Du coup, elles habitent là, elles vont se rendre compte qu'elles vont vouloir aller tous les trois, elles auront un objectif commun pour se rendre à Paris. Elles vont vouloir s'incruster dans la garden party du président, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que Mireille pense que c'est son papa. Sa maman, elle l'a connue à la fac, ils avaient quand même une petite liaison et elle lui a toujours dit que c'était son papa. Donc faut savoir que sa maman a refait sa vie avec quelqu'un de super gentil, mais pareil que Mireille ne respecte pas du tout. Mais du tout. C'était très dérangeant, même si je veux bien comprendre que c'est une ado. Qu'elle est pas bien dans sa peau, elle veut faire croire que oui et qu'elle s'en fout, mais bon, voilà. C'est pas forcément le cas, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup de choses qui l'affectent. Peut-être moins que ce qu'elle aimerait faire croire, mais on le sent quand même à travers les lignes. Et du coup, elle va se rendre compte que bah, ces deux nouvelles copines, elles auront aussi un intérêt à aller à cette garden party à l'Élysée. Elles vont décider de faire le chemin à vélo en vendant des boudins pour pouvoir bah, se loger le soir, par exemple, etc. Au final, il va en découdre une épopée et tout un suivi dans les nouvelles, dans le journal, dans la presse, sur Internet, etc. Quelque chose auquel elle s'y attendait pas, un sacré succès, parce que bah, tout le monde va s'intéresser à ces trois filles et le boudin, et vont suivre leur histoire, et tout le monde va essayer de chercher à comprendre pourquoi elles se rendent à Paris. Donc, trois mineurs jeunes sur les routes comme ça, à vélo, sans parents, c'est un peu chaud. J'ai eu du mal avec cette idée-là aussi, parce que concrètement, c'est peut-être quelque chose qui se serait passé il y a certaines années, je pense, l'année de nos parents en fait, hein, si vous êtes de ma génération. Concrètement, je pense que les parents de nos parents, donc nos grands-parents, auraient pu laisser faire ça. Mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas un parent qui va laisser ses enfants partir à vélo comme ça. Non, ça marche pas. Donc pour moi, il y a eu ce décalage, j'ai eu du mal avec ça. Après, bon, certes, elles vont pas y aller que toutes les trois, elles vont y aller avec Kader, le frère de Hakima, qui lui aussi a un intérêt à aller à cette garden party à l'Élysée. Donc il faut savoir que Kader, c'est un ancien combattant qui est aujourd'hui en fauteuil. Il a perdu ses jambes au combat lors d'une explosion. Et du coup, il va les suivre en fauteuil roulant. Mais c'est pas un motorisé, quoi. Si j'ai bien compris, il le pousse. Donc lui aussi, il va bien, bien se muscler, etc. Donc il va s'en suivre une épopée bah, assez incroyable. Parce que, comme je vous ai dit, moi je trouve pas ça très réaliste pour le coup. Mais il va surtout en découdre une amitié entre les quatre. Ils vont se rendre compte que ben, déjà cet objectif commun va les rapprocher. Et puis au fur et à mesure, ils vont se découvrir. Il va se passer des choses. C'est pour moi, c'est un roman initiatique. Parce que les personnages vont évoluer avec ce voyage-là. Du coup, je suis un peu mitigée. En fait, j'ai bien aimé, mais il y a des choses que concrètement, je n'ai pas appréciées. Ben, le manque de réalisme. Le personnage de Mireille, je suis désolée, moi je l'ai pas aimé du tout. Même des fois après avec ses copines, elle a des réflexions et des manières de faire qui m'ont pas trop trop plu. Donc bon, voilà, ça arrive, hein. Le personnage peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord là-dessus. Après, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein. Mais ce que j'en retiens, c'est les sujets qui sont abordés. J'ai bien aimé la manière dont c'était présenté parce que, comme dit, ben, le harcèlement en fait à l'école, hein, c'est du harcèlement de se faire traiter de boudin, qu'il y ait un concours et que le collège, le lycée ne fasse rien en disant après, quand c'est paru dans la presse a posé les mêmes questions, s'est dit mais pourquoi c'est pas interdit? Et en gros, ils disaient qu'ils étaient un peu pieds et poings liés, ouais, mes fesses, hein, voilà. Et puis en même temps, on va rencontrer ce garçon,
1 qui a fait ce concours à la Mormoleneux, qui s'appelle Malo, et on va découvrir des choses sur lui, sur Mireille. Il y a des scènes intéressantes, il y a de beaux messages, mais en même temps, comme dit, c'est un peu tiré par les cheveux, donc je l'ai bouffé, hein. Bon, il n'est pas si long que ça. Je pensais que je prendrais plus de temps à le lire au final, moi qui lis comme un escargot, précisons-le. Je vous avoue que je l'ai bien bouffé, quoi. Après, la fin était sympa aussi. Non, il y a de belles histoires. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais le garder ou pas parce que je suis pas sûre que je le relirai. Il va me laisser un souvenir par rapport à ces messages. Il y a quelque chose qui est traité avec justesse, j'ai beaucoup aimé. Les messages, comme je vous ai dit, la manière dont c'est abordé, mais à côté, Mireille. Ça casse avec Mireille. C'est où ça passe, où ça casse. Bah là, ça a cassé. Je n'ai pas du tout apprécié le personnage. Donc, bon. Malgré tout, ça reste une super découverte. C'est mon premier Clémentine Beauvais. J'ai envie de tenter autre chose, c'est vrai. J'ai un peu peur parce que, comme dit, le style au début, les quelques premiers chapitres, j'avais du mal jusqu'à ce qu'elle aille rencontrer Astrid. Au final, ouais, c'est une belle découverte quand même, mais. Je sais pas, un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup. Il y a des choses qui m'ont dérangée après, comme je vous ai dit, les thématiques abordées sont intéressantes et importantes. C'est aussi très important de souligner le harcèlement scolaire à partir du collège, même avant en fait, hein, mais là, c'est à partir du collège. Et l'impact que tout ça peut avoir sur quelqu'un, surtout sur un adolescent qui est déjà en pleine crise presque existentielle parce qu'il se cherche. Voilà. Donc pour ça je dis oui. Pour d'autres choses je dis un peu moins oui. C'est un plus petit oui. C'est pas un non, mais c'est un plus petit oui. Du coup, je vous le conseille si vous n'avez pas encore découvert Clémentine Beauvais. Parce que c'était quand même une belle découverte. C'était mon premier. C'était voilà. Je suis contente de l'avoir découverte. J'ai envie de retenter d'autres histoires. Mais après, pour moi, comme dit, c'était pas un coup de cœur. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!